Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de Trackmania du coup. Alors c'est un vieux Trackmania, hein. Là on est sur du United Forever. Alors c'est pas le tout premier Trackmania, mais on s'en approche parce qu'on a un peu les décors du... J'arrive plus à parler, je vous jure. Des premiers Trackmania. En gros, il y a eu Trackmania en 2000 et je sais plus combien. Puis après, il y a eu Trackmania Sunrise, qui était en quelque sorte le Trackmania 2. Il y avait trois nouveaux décors. Dans le premier, il y avait trois premiers décors. Et après, ben, ils ont sorti le Nation, qui était gratuit, qui est du coup le stadium qu'on connaît aujourd'hui, avec le Trackmania qui est actuellement, quoi. Et il y a eu, du coup, le Trackmania 2, ou au carré, comme vous voulez. Et entre-temps, ils ont sorti Trackmania United Forever. Donc en fait, qui est une espèce de reboot de Trackmania United. Alors pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui? Parce que ben à la base, il y a à peu près 19 ans, j'avais acheté Trackmania Sunrise et j'avais créé des circuits. Et également en 2006, j'avais acheté le United et j'avais également créé des circuits. Puis un jour, j'ai eu des problèmes de disque dur et voilà. Les circuits ont disparu et malheureusement, voilà. Et ben figurez-vous que j'ai retrouvé ces circuits, je sais pas pourquoi, je les avais sauvegardés quelque part dans un coin. Apparemment inconsciemment, mais voilà, ils sont là. Et du coup, ben, on va découvrir ces circuits ensemble. Je les ai pas refaits depuis, donc je vais les redécouvrir. Pour certains, ça va être vraiment 19 ans plus tard. Et d'ailleurs, on va commencer. Alors, du coup, on va directement aller dans l'éditeur parce que, ben, voilà, alors, vous voyez les noms, hein, c'est un peu n'importe quoi des fois. Donc, le tout premier circuit que j'avais fait, alors j'ai vite fait regarder un peu quand même ce que j'avais et ce qu'il y avait sans les faire. Et je me souviens que le tout premier c'était celui-ci, Fracasse-toi, donc dans le décor des palmiers là, que j'avais fait donc sur Sunrise en 2005. Et après il y avait le deuxième que j'avais fait, c'était, alors il y a Conquête des Spasmes, je l'avais pas vraiment terminé, et c'était, alors que je dise pas de conneries, attention Ascension, voilà c'est ça ouais. Ah, vous voyez, marqué 150, d'après ce que je sais, c'était des circuits que j'avais fait pour le... Pour les stunts ou pour le nombre d'essais en fait. À l'époque on pouvait faire ou un chronomètre ou un truc avec des essais. Après vous avez un autre mode aussi avec des stunts. Vous aviez un mode puzzle où il fallait prendre un morceau de circuit, il fallait trouver les pièces qui manquaient pour compléter le circuit et le terminer. Donc on va commencer par Fracasse-toi, hein. Donc le tout premier circuit que j'ai fait. Donc on va l'ouvrir. Alors il faut aller dans Edit. Et on va directement sur valider le circuit. Voilà, j'avais fait un effet un peu de zoom, je me souviens ça encore. Alors là, je l'avais raté. Je sais pas pourquoi la caméra s'est mise là, enfin bon. Allez, c'est parti. Putain. Ah là là. Je sais pas si c'est dans cette voiture, c'est pas moi qui l'ai. Putain. Oula. Ah, c'était génial ce Trackmania Sunrise, c'était vraiment exceptionnel. Ça a pas vieilli du tout, hein. Ça a presque 20 ans ce jeu. Oula 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 là. Et ouais, et du coup bah on va recommencer. Bon, je vais épargner quand même refaire tous les circuits à chaque crash. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des oula oula. Qu'est-ce que je fais? Je baisse un peu le volume parce que je m'entends même plus parler. On va prendre des checkpoints. Dès qu'on a un checkpoint, on va recharger là parce que sinon il y en a pour 3 plombs. Voilà. Ah oui, je me souviens de ça là. Oula oula. Ah, putain, c'était pas une bonne idée. Et merde. Oh non, putain de merde. Ah, fait chier. Ouais, ça fait haut. Ouais, du coup ouais. Le dernier checkpoint, c'était bien là. C'était le début. Bon, maintenant on sait qu'il faut pas prendre le tremplin du bord. Prendre le tremplin du milieu. Pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle, vous allez voir. J'aime bien ce saut là, on atterrit en douceur sur la pente. Et je vais pas faire deux fois la même connerie, non? Non, c'est bon. Alors, juste pour info, je joue au clavier, hein, parce que j'ai pas... Alors, c'est vrai que j'aurais pu essayer de configurer la manette, mais... Putain, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais en fait, c'était bien le tremplin du bord qu'il fallait faire. Putain, mais c'était vraiment trop laid ce que j'avais fait à l'époque. Imaginez, c'était en 2005 quoi. Ah, à l'époque, j'avais 23 ans. Ah, quelle belle époque. Eh ouais.
Il y en a parmi vous, ils sont pas incarnés à cette époque-là. Mais bon. Non, honnêtement, ça a pas vraiment vieilli en fait comme jeu. Hein. C'est vraiment efficace. Alors attendez, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sauter. Putain, mais je vais y arriver. Ah, mais c'est pas possible. Allez, on recommence. Bah, allez, dernier essai. Après, sinon, je vais devoir faire des coupures. Et j'aurais bien évité d'en arriver là quand même. Une fois qu'on aura passé le checkpoint, il n'y aura pas de soucis. Mais là, pour l'instant, bah, pas gagné. Hein. Mais sérieusement, quoi. Sérieusement, quoi. Est-ce que je vais réussir à... Attendez, peut-être que la flèche en bas, elle va me propulser. Je sais pas si ça propulse que les roues. Ouais, mais je sais même pas si je vais arriver. Eh non, j'y arrive pas, putain. Bon, allez. Allez, bon. On va faire de coupure encore maintenant, là. Cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Sérieusement, je me fais galérer. Mon moi-même du passé me fait galérer mon moi-même du présent, quoi. Alors, on freine. Ah, ça va. Putain, ouais, ça va. J'ai cru que c'était encore foutu. Ben non, pas pour cette fois-ci. Alors, attendez, cette fois-ci. C'est tellement de galère. Ah, putain, il faut ralentir. Oh putain, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Ouais, Shaylet Master Backflip. Génial, ça me fait de belles jambes. Ah, petite coupure! Et voilà! Putain, en fait, il faut jauger la. Oula, 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 qu'est-ce que. Non, 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 ah putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu sans déconner, n'importe quoi. Allez, on rebondit avec un saut à 30 mètres au-dessus de l'eau. Bon, au moins on a le checkpoint maintenant. Alors, si j'ai bien compris, il faut passer au milieu, non? Parce que là, c'est beaucoup trop haut en passant à. Ça m'a l'air d'être. Non, ça suffit pas du coup, putain, il faut bien passer sur les bords. Ou alors, il faut arriver à toute vitesse ici, mais bon, vu qu'on va reprendre le checkpoint. Ah, putain, mais c'est chaud ça! Ouais, c'est mort! Faut vraiment être droit avant quoi, c'est dingue! Et avec les claviers là, laisse tomber quoi, c'est tellement compliqué à jauger quoi! Vive les manettes hein! Eh, je suis. Putain, encore à côté! Tellement énervant ce truc là! Bon, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air d'être pas mal ça. Ouais, enfin. Allez, on passe à la suite là. Je sais pas ce que c'était, une espèce de tourbillon là que j'ai vu là de loin. Putain. Je sais absolument pas, je suis sûr qu'il y aura des pièges. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est super beau le décor n'empêche. Ouais, le coucher de soleil là. Oula, 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 putain. Ouf. Oh putain, j'ai compris le truc. Ah, j'avais vu sur le coin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, j'étais radé en checkpoint ou quoi à l'époque? Ah, quand même. Oula, ah ouais, putain, il faut passer par ce truc là. Oh putain, merde! Je crois que j'ai voulu aller un peu trop vite là. Oh punaise! Oh putain, non! Mais qu'est-ce que c'est abusé? Bon. Je sais même pas comment faire pour. La voiture elle va se renverser à chaque fois. Ah bah non. Ah bah non. Oh putain, looping maintenant hein. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, ça marche en tout cas. Oh mais merde. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu sans déconner. Ouais mais non, c'est pas possible là. Bon. Bon, moi là comme ça, si je pars comme ça, je vais droit. De pas partir à droite à gauche. Mais y a un truc que je comprends pas, pourquoi elle se fracasse la bagnole, mais c'est pas possible. Non mais attendez, je me rappelle, j'avais terminé ce circuit, maintenant je m'en souviens. Ça doit fonctionner, mais c'est pas possible que ça tape comme ça, putain. Et ouais, mais non, mais attendez, comment on fait, comment qu'on fait ça? Ah c'est ça, oui je me souviens, oui je me souviens, je me souviens. Putain, je me souviens. Oh putain, mais je. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oula. Ouais, on est bon. On est pas bon. Bon, on va pouvoir regarder ce que j'ai foutu parce que j'ai rien compris à ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, c'est bien là. Je pars à l'envers. Putain, mais sérieux? J'étais doué à l'époque quand même pour faire des trucs bizarres. Et là, par contre, je suis pas doué pour conduire. Hein. Oup! Putain, mais sérieux, c'est quoi ce truc? C'est moi qui fais ça! Ah ouais, je m'en souviens encore, mais quand même quoi. Wouah, pingue la cheveux. Et là, je vais où? Mais. Je comprends pas là, il faut que j'aille où? Attendez, il doit y avoir un truc. Mais non, je suis de nouveau là. Ah oui, mais attendez. Peut-être que je suis sur le bon chemin. J'aurais dû mettre des flèches sans déconner quoi. Attends, mais là. Peut-être. Ah, peut-être faut aller. C'était pas là par hasard. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Oui, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose là. Ok, j'ai compris. Il faut passer par-dessus ce circuit en fait. Là, il faut passer par-dessus le truc là à droite là. Donc c'est compliqué parce qu'on voit pas où on va en fait. Ok, c'est ça. Putain, on est direct dans le tunnel. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces tunnels, sans déconner là, c'est les tops qui se sont pris pour un dauphin ou quoi? Dans le sens elle fait des mouvements de dauphin mais dans la terre quoi. Il me faudrait un checkpoint parce que j'ai peur de me caméler sur ces putains de rampes bizarres là. Je suis en train de monter ou quoi? Du coup je sais même plus, sur Trackmania là il y a marqué 25 000 mètres. Ça existe toujours ce truc là qui compte la distance qu'on a fait ou quoi? Oula. Ah mais non! Putain, cette bagnole elle est trop plate. Elle se renverse et après impossible de se remettre sur les roues. Ouais, c'est la maladie de pas mal de bagnoles dans Trackmania. Hein. Non. Putain, on va pas artificiellement faire des crashs. Oula. Putain. Oula. Bah, je sais pas où faut aller. Oula, putain, c'est quoi cette descente? Oula, 600, 700 km/h. Je sens que c'était pas une bonne idée. Le pire c'est que je suis encore sur les roues quoi. Bon, je pense que c'était finalement la meilleure chose à faire parce que j'ai au moins pas trop perdu de temps dans la ligne droite. Même si j'ai dû cracher, je sais pas si en roulant doucement à l'arrivée j'aurais évité de perdre trop de temps, j'en sais rien. Putain, ça descend ici. Et il était long ce circuit quand même. Hein. Ouais, à mon avis on va faire plusieurs vidéos parce que s'ils sont tous aussi longs les circuits... Je me rappelle vaguement de certains circuits quoi. Je me rappelle surtout de trois circuits, de celui-ci. Enfin je me rappelle, quand je me rappelle pas du parcours, mais je me souviens qu'il était par exemple assez long celui-là. Je sais que les deux autres sont très longs aussi. Il y avait un autre que j'ai fait dans le... Oh putain, qui était pas... Non putain, non il checkpoint qui est là-bas, et merde putain. Ça va, je crois que je suis pas tellement loin. Mais putain, il faut vraiment y aller là. Ok. Fracasse-toi, ouais, bah ouais, c'est ce que j'ai fait justement dans le tunnel juste avant. Oula. Bon, on tente le milieu pour commencer. Attendez, c'est quoi ça? Ah, je me souviens, il y avait deux chemins. Il y avait le chemin du bas. Attendez, on va faire ça. On va faire le chemin du bas. Et après, on va faire le chemin du haut. Voilà, il y avait le chemin du bas. Et quand on se démerdait bien, il y avait le chemin du haut. Oh, alors attendez, on va prendre le chemin du bas, on va regarder. Ouais, il était sinueux. Et... Alors attendez. Putain, il était vraiment sinueux ce truc. Et là aussi, même en relief, il était sinueux. Putain. Et il fallait pas manger...
Fallait pas avoir trop mangé tout court en fait avant ce circuit. Ok, et en fait on arrive ici. Ok, ça c'est le chemin du bas. Alors ok, alors maintenant c'est mémoire, on va essayer de prendre le chemin du haut. Ça va pas être si facile, mais on va essayer. Eh yes, ça marche. Enfin, ouais, c'est bon. Donc en fait, le chemin du bas c'est dans les tunnels. Et là, ah ouais, d'accord, en fait c'est. Ah ouais, on arrive. Oui, on arrive là en fait. Là-haut, à gauche, il y avait la sortie de l'autre tunnel, vous voyez. C'est quand même beaucoup plus rapide par là. Donc en fait, on peut passer par en bas, mais. Oula, oula. Oh putain. Ah, je me rappelle de ça. Je me souviens, oui. C'est l'arrivée qui était complètement dingue. Est-ce que je suis bon? Ah merde, je suis pas assez rapide. Ah putain, putain, putain. Ok, fallait arriver là-bas. On retente le coup. Putain, c'est vraiment un coup à se fracasser ce circuit. Hein. Alors, je sais pas à quel angle il faut le prendre, mais on va voir. Ça m'a l'air pas mal. La caméra, elle est pas évidente parce qu'on a l'impression qu'on est trop loin en fait. Non, c'était presque. Bon, cette fois-ci, on va quand même accélérer plus, quoi. Enfin, accélérer plus. Aller plus loin à gauche. 994 km/h. Et là, est-ce que je suis bon ou pas? Putain, il faudrait qu'il y ait un GPS là qui me dise où je suis exactement. Mais c'est pas possible. Ah, pour se garer là, c'est parfait. Putain, c'est vraiment pas évident, hein. Il faut qu'on arrive à faire ça. En fait, je suis en mode compter le nombre de chutes. C'est pas en mode temps là que j'ai. Je vois qu'il n'y a pas de chronomètre. Je vois juste si je suis en bas là. Alors, je suis bon, mais pas sur la bonne piste. Putain, c'est pas vrai. Il faut aller sur la troisième. La première, elle sert à rien en fait. Elle sert juste à faire croire que c'est bon, quoi. Allez. On va essayer cette fois-ci. Ah, j'espère que je suis pas trop loin. Caméra, ça serait bien de. Oh putain! Yes! J'irai. Presque. Enfin, pas encore, mais. Yes! Yes! Putain! En 11 minutes, oh. Bon, en fait, il y avait un chronomètre, en fait. Je l'avais pas vu, quoi. Bref. Putain! Putain, oh, sérieusement, quoi. Bon, bah voilà. End validation. Du coup, c'est bon. C'est validé. C'est bon. Sauvegarder, save the track, remain on it. Mais je viens de faire quoi? Oh, va te faire foutre. Je l'ai validé. Bah oui, je l'ai validé. Oh, bon, pas grave. On va faire un autre circuit. Alors, celui-là. Alors, je crois que celui-là était Nike Lightspeed. Je m'en souviens pas. Celui-là, ça serait intéressant de regarder parce que je m'en souviens absolument pas. Et je crois qu'il n'est pas terminé, ce circuit, en fait. Alors du coup ça voudrait dire que bah, on peut pas le tester, on doit juste se mettre sur la plateforme du début. Voilà. Ah oui, il faut que je mette. You need to wait. Ah t'as fait. Mais qu'est-ce que. Ça c'est quoi? Enter Racing Mode, oui. Ah d'accord. Enter. Bon, alors cette fois-ci c'est de nuit, mais voilà, le circuit n'est pas terminé, donc on va juste faire un petit tour, voir ce que ça vaut. Et du coup, je sais même pas si c'est les checkpoints quand on fait les tests comme ça. Je vois pas du tout où je vais en fait. Hein, oui. Voilà. Bon, bref. Alors attendez, putain, à l'époque il n'y avait pas la croix directionnelle. Avec les touches
des lettres qu'il y a. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je vais me mettre là, tiens. Juste pour tester encore. Ça, on avait vu. Donc, on va repartir là. Oui, je sais, j'ai dit que ça suffit, mais en fait, là, j'avais pas vu qu'il y avait un checkpoint. Donc, si j'ai bien compris, il y a deux chemins différents. Bon, j'ai pas trop compris ce que ça va donner, mais on va voir. À mon avis, Ouais, mais à mon avis, là, c'est pas bon, ça, encore. Je comprends rien à ce qu'il faut faire, en fait. Et en fait, c'est que je me suis loupé, en fait. Il fallait que le machin... Ah, c'est quoi, ça? Bon, à mon avis, je suis en train d'essayer des trucs. Je suis un peu craqué mon slip, là, je crois. Ah ouais, c'est pour descendre là et après, ouais. Attends, je quitte le mode pour voir. Ouais, en gros, j'ai voulu faire une espèce de pseudo-looping, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, on quitte celui-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, ça, c'est Sébastien, c'est un pote qui l'avait fait, ça. Boule de neige, c'est quoi? Ça a l'air des cours. C'est moi qui... Putain, mais je me souviens même pas. Qu'est-ce que c'est que ce circuit? Ça me dit tellement rien, quoi. C'est moi qui ai fait ça? Mais c'est pas moi qui ai fait ce circuit, c'est pas possible. Ou alors j'ai téléchargé ce truc là, c'est... Non, ça me dit rien, et pourquoi j'aurais mis autant de checkpoints de suite, ça fait aucun sens. Attends, on va essayer de voir, valider, on peut pas, il n'y a pas de starting point, ok, on quitte. Je savais pas que vous pouvez quitter en faisant juste échappe. San Francisco. Ah, c'était... Ouais, ok, c'était pour tester, mais en fait, il n'y a pas vraiment de départ. C'était pour tester ce décor en fait. Le décor un peu plutôt Hong Kong en fait, mais où j'ai voulu faire quelque chose de type San Francisco quoi. Pourquoi ça marche pas ça? C'est quoi ça là-bas? C'est quoi ce truc là? Il est où le départ? Bon, on va faire. Il n'y a pas de départ, ok. Bon, on va se mettre là. On va faire un tour. Ah! Ah bah ouais, non. C'était pas vraiment là que je voulais mettre. Ok, c'était là. Oula, le SUV il est énervé là. Putain. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc? N'importe quoi ce circuit, ça va où ça? Il y a du checkpoint. Ah ouais, c'est San Francisco quoi, ouais. Ah ouais, ouais. Ça fait penser à San Francisco, mais je sais pas, absolument pas où je vais. Et il y a aucune arrivée, il y a rien. Y a... Enfin, c'est San Francisco, mais avec des ravins entre les bâtiments et la route quoi. Si vous voyez pas ce que je veux dire, ben voilà ce que je veux dire. En gros, tous les bâtiments ont la même hauteur, mais la route. Elle fait des espèces de viaducs qui passent. Là. Ouais, ça fait aucun sens. Enfin, géographiquement, ça fait pas de sens. Mais ouais, c'est intéressant quand même. Même si ça fonctionne pas des tonnes. Mais oui, c'est là que je suis sorti tout à l'heure. C'était caché par les bâtiments. On peut tourner la caméra là. Je sais plus du tout comment ça marche, moi, ce truc. Je sais pas du tout. Ah ouais, ça sort de là. Je sais pas du tout comment on tourne la caméra dans ce mode. Bref, bah écoutez, c'était très bien pour ce premier circuit. On va faire une deuxième vidéo pour le deuxième circuit parce que là, on est déjà à plus de 20 minutes. Donc, bah voilà, quoi. Ça ira comme ça. Donc, merci d'avoir regardé. Bah, je vous dis à la prochaine fois pour un deuxième circuit de l'époque. Donc là, on était sur 2005. Le prochain circuit, je crois que c'était le... ouais, ça va faire 4 vidéos quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, ça fera 4 vidéos. Voilà. À tout de suite, enfin à bientôt pour ou à tout de suite si vous regardez tout de suite après la suite. À bientôt, ciao ciao.